next to the supervisor, you're going to have to get into the next room. They're almost like a, they're not going to take them out of the door, if you come to take it out. Mais que les mêmes températures, il n'y a pas à se savoir cet après-midi, n'agirait par exemple le minimum courant, il devra apprendre les gommes sur une oreille, le maximum de 30 degrés, et moi, je vais tout à fait suivre. Pour demain matin, toujours de 14 degrés, de sorte que je te demande, et de la pluie sur la France, avec aussi quelques chocolats sur le sud-est, mais surtout près des frontières, peut-être aussi, peut-être que les quelques chocolats, même si c'est en partie que là, jusqu'au sud de l'Alja, et puis sur le nord. Dans l'après-midi, très peu de changements, avec toutefois la forte vague qui va se renforcer, qui va monter jusqu'à 100 km à l'heure, et puis le vent ouest qui va se lever sur le sud de la Corse. Du vent d'ailleurs aussi sur le nord-est qui va accentuer les sensations de froid. Quelles sont les températures que vous aurez dans votre thermomètre? Par exemple, moins 1 degré à partir de demain, un ressenti de moins 8 degrés avec ce vent de nord-nord-est. Moins 6 à Londres avec un ressenti de moins 14 degrés et moins 3 degrés à Perpignan avec un ressenti de moins 11 degrés. Dans l'après-midi, il va continuer à faire froid, les températures en dessous et en bas de saison. Et puis ce froid s'installe pour plusieurs jours. Voici ce qui est prévu pour jeudi. Alors encore quelques averses sur la côte, mais de moins en moins. Pas mal de nuages dans les régions du sud avec un ciel creusé près de la Méditerranée, ailleurs sous le soleil. Quelques nuages des côtes de la Manche. Et puis pour vendredi, le soleil devrait revenir quasiment partout, surtout sur la France, d'ailleurs, ça c'est important, avec un petit peu plus de luminosité au nord. Et puis ce qui est à côté, c'est températures qui sont toujours bas pour la saison, avec encore du jeu.